Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Steelbook de The Mandalorian saison 2. D'ores et déjà, je vous le dis, hein, les gars, visuellement plus beau que le premier, et de toute façon, même en la saison elle-même, la saison 2, est meilleure que la première. Donc, ceux qui découvrent seulement cette série avec cette sortie en physique, qui était assez inattendue quelque part, attendue mais inattendue, je vous invite d'ores et déjà à vous procurer celle-ci, parce qu'encore une fois, ça va être sold out, cette connerie-là, n'est-ce pas? Encore avec des trucs très sympas. Tu sais, c'est très pratique, ça, dans la collection, quand tu le ranges, c'est pas du tout chiant, tu sais. Donc, bah, moi, je vais faire quoi? Je vais le découper, comme d'habitude. Quand ça m'emmerde, moi, ça prend un coup de couteau. À bon entendeur. Tu sais, le mec est complètement psychopathe. Alors, nous avons pas mal de suppléments, ici et là. 4K, donc nous avons Dolby Digital sur la VF, mon Dieu, et de l'Atmos sur la VO 7.1.4. Voilà. Sur le Blu-ray, nous avons Dolby Digital, encore une fois, en français, et DTS HDMA sur l'anglais. Donc clairement, là, c'est à voir en VO. Donc, à part ça, rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc, le Steelbook, lui. Bah dans la même veine que le premier, hein, mat, voilà, dessiné, avec le titre en VO, parce que de toute façon, les steelbooks sont internationaux, ils vont quand même pas vous imprimer des steelbooks français juste pour écrire saison 2, tu vois, intégrale de la saison 2. Pensez bien qu'ils en ont rien à secouer, les gars. Donc ici, quelques inscriptions. Tac. Alors, à l'intérieur, nous avons, comme pour le premier, des cartes, tout court, voilà. Il y en a trois, bon, on s'en fiche un peu, mais ça a le mérite d'être là. C'est graphie différente sur les disques. Voilà. Ici, les disques 4K. Ce qui est marrant, c'est que ça reprend épisode 9, 9 à 12, 13 à 16. Donc, c'est pas saison 2, épisode 1, non, c'est disque 1, épisode 9. Donc, ça reprend après l'épisode 8 de la première saison. C'est un peu teubé de faire ça. Mais bon, c'est... Qui suis-je? Hop, le clapet pour la séparation, en tout cas pour mettre les disques en plus, c'est toujours mieux que de les superposer, n'est-ce pas? Voilà, donc des sérigraphies différentes sur chaque disque, que ce soit Blu-ray et 4K. Et ici, nous avons un artwork interne, encore une fois, plutôt sympa. Bon, ici, il n'y a rien, on va pas s'embêter. Mais voilà, tout comme le premier, ça reste un steelbook plutôt cool, avec des disques cool. Une saison cool, des photos super cool, et puis voilà. Donc, en espérant que ça soit pas bousillé quand tu le refermes, ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce steelbook, même de la série en elle-même. Si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, je suis votre homme. Donc lâchez le petit pouce bleu de soutien, abonnez-vous pour ceux que ça botterait. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.